Son rêve est d'apprendre la véritable histoire et de la partager au monde entier. Lorsque Nico Robin prononçait pour la toute première fois le nom de Joy Boy en... Attendez, si j'ai bien compris, du coup Vegapunk, c'est un robot. Donc c'est un robot qui faisait des recherches avec César Clown et qui a fait appel à la marine parce que César Clown devenait trop dangereux. Tout ce qui s'est passé devait se passer. En demandant qui il était, elle ne pouvait savoir qu'il s'agissait en réalité de son propre capitaine, comme elle ne pouvait se douter qu'elle lisait sa propre écriture. En effet, le rêve de l'archéologue pourrait se réaliser, car c'est en remontant dans le temps et au courant du futur que Nico Robin savait que le gouvernement mondial allait opérer des autodafés et allait détruire l'histoire si elle était écrite. Il y a quelques petits trucs malheureusement qui sont problématiques. Sur papier. Alors, elle aurait demandé elle-même au légendaire clan Kuzuki de graver la mémoire de son capitaine, Monkey D. Luffy. Parce que tout ce qui s'est passé devait se passer. Alias Joy Boy. Robin dévoilerait ainsi. C'est une belle théorie. C'est une belle théorie. Tout ce qui devait se passer, c'est passé. Hein. Si à l'ancien royaume qu'il faut en réalité sculpter l'histoire sur des pierres indestructibles, avec un alphabet que personne ne pourra... Ouais, il y a des petites... Des petits trucs problématiques, mais si je dis tout ce que j'ai relevé maintenant... Jamais lire un alphabet que elle seule connaît. L'alphabet en... Il y a des trucs, mais... Le tien n'aurait donc tout simplement jamais existé. Ou du moins, il s'agit de celui du futur. Nico Robin... Ah, je vais encore passer pour un... pourrait donc écrire ce que elle... Non, déjà que j'ai Ouarat sur mon dos, là. Seul pourra déchiffrer, tout en le partageant au monde entier. Après son aventure, le mangaka a toujours affirmé que Nico Robin serait professeur, et pourrait donc fonder par la suite la bibliothèque millénaire d'Ohara, pour que les lumières de ce monde puissent se retrouver et se rebeller contre l'obscurantisme du gouvernement mondial, et donner à leur tour envie à une petite fille d'apprendre l'histoire de ce monde. Le problème, c'est que si je débunk la théorie, je vais me mettre à dos Albert Einstein. Et personne n'a envie de se mettre à dos Albert Einstein. Si, depuis le départ, dans une magnifique boucle temporelle, Robin, comme Franky... Et on va m'envoyer des trucs en DM, on va me parler de Sengoku, oh, bordel de merde. Avec les plans de Vegapunk... Laissez-moi tranquille. ...pourrait lire ce qu'elle avait en réalité écrit, car elle aurait réalisé son rêve depuis bien longtemps. Celui d'écrire et partager la véritable histoire du monde. Car tout ce qui s'est passé... devait se passer. Tout ce qui s'est passé devait se passer. J'ai trop envie de balancer mes trucs là. J'ai noté 5 points des trucs de fou. J'ai trop envie de les balancer et de dire tout ce qui s'est passé devait se passer. J'ai trop envie de le faire. J'ai trop envie de le faire. Non, ce serait... Non, c'est bon, ça. Menteur de... Non, ce serait d'acry. Puis le départ, il serait très émouvant d'apprendre que comme ces mensonges deviennent réalité, c'est parce que ça n'a jamais été du pipeau. Peut-être que tout ce qu'il racontait à Kaya pour... Okay, donc ça aussi, on l'avait vu plein de fois. ...faire rire, était la réalité. Car, en remont... Putain, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait dire car tout ce qui s'est passé devait se passer. Putain, là, j'en pouvais plus. Là. Dans le temps, Usopp, brave guerrier des mers, pourrait lui aussi écrire l'histoire et faire devenir ses légendes réalité. Car si tout ce qu'il dit se réalise et que son futur se trouve en réalité dans son passé, alors Usopp n'aurait tout simplement jamais menti de sa vie. Et c'est donc avant de rencontrer Kaya qu'il aurait bel et bien parcouru tous les océans sans même le savoir. Car tout ce qui s'est passé... Oh putain se... J'en peux plus. J'en peux plus, par pitié. Laisse-nous tranquille, s'il te plaît. Passé. Non, s'il te plaît, arrête. Car tout ce qui s'est passé devait se passer, s'il te plaît, arrête. Je vais en faire des cauchemars. Je vais me réveiller. Je vais faire un cauchemar de Sengoku qui bat Shiki en un contre un. Sengoku va me regarder, va me dire tout ce qui s'est passé devait se passer. Chanté par les pirates depuis des siècles, Binks no Sake fut composé il y a bien longtemps pour encourager l'esprit de camaraderie chez les marins. Mais alors, si cette musique fut composée il y a si longtemps, comment cela se fait-il que le refrain soit le rire de Brook? Yo-ho-ho, rythmant toute la chanson, nous indiquerait donc que son compositeur est en réalité Soul King lui-même, qui envoie
voyageant dans le temps, composerait Binks Nosake avec son propre rire pour le refrain, tout en cachant des indices sur la réincarnation de Joy Boy et la vérité sur le monde. Car c'est dans les paroles que nous pouvons retrouver « Les vagues dansent au rythme des tambours, son tintamarre commence », rappelant le cœur de Joy Boy au chapitre 1042. « Quoi que tu fasses, mon ami, tout ce qu'il restera de toi, ce sont tes os », rappelant les paroles de Joy Boy au chapitre 1044. Et enfin, « La vie est un conte du rire », rappelant les paroles de Roger au chapitre 968. Le secret de Binks Nosake ferait également une boucle, car le chapitre 488, où est présenté pour la première fois... Foutu Albert Einstein. Cette musique est intitulée... Il va finir par me foutre dans la merde, Einstein. La chanson qui relie le passé et le présent. Donnant espoir aux marins durant 800 ans, Brooke serait donc l'auteur de Binks Nosake, la musique sur laquelle il donnera sa vie, car tout ce qui s'est passé devait se passer. Non, mais... serait donc l'auteur de Binks Nosake, la musique sur laquelle il donnera sa vie, car tout ce qui s'est passé devait se passer. S'il te plaît, arrête. Il a placé en scred. Il a même pas mis le fond. Il a pas mis le montage. Il l'a placé en soum-soum. Car tout ce qui s'est passé devait se passer. Il a calé en scred comme ça, chut. Quoi? Oh la dinguerie! Il nous a tous eu là, on s'y attendait pas du tout. Ah mais c'est l'argument ultime, hein. Ah je suis fasciné, hein. Le monteur en avait marre au bout d'un moment. Le monteur il a dit j'en peux plus, stop. Coécrit par un certain Louis Arnott, The Bragmen, en français Les Affabulateurs, est le roman fictionnel le plus connu à travers Grand Line. Il est dit par l'auteur lui-même dans les SBS du tome 42 que ce livre, connu dans le monde entier, narre le récit de voyages sur la route de tous les périls avec toutes les anecdotes à propos de phénomènes si invraisemblables que la plupart des gens sont persuadés qu'il s'agit de fabulation. Seulement, le mangaka termine son exposition avec la phrase suivante. Quant à savoir si ceux qui sont appelés les Bragmen... Les Bragmen! Il y a Brandman et les Bragmen! ...sont vraiment des menteurs, vous n'avez qu'à suivre les aventures de Luffy et de ses amis pour faire votre propre opinion. Arrivez à votre propre conclusion. Ce sont les mots de Silver Riley. Oui, les Bragmen, figure mythique les de Bragmen. La littérature, seraient donc en réalité... Il y a les Bragmen. En réalité, depuis le départ, les Mugiwara... Les Bragmen sont là parce que tout ce qui s'est passé devait se passer. ...créant des miracles à travers le monde. Et ce livre serait écrit par Louis Arnott grâce à Usopp, expliquant l'utilisation précise du mot brag, pouvant se traduire par menteur, affabulateur ou encore vantard. Le physicien Willy Gallon aurait alors très bien pu rencontrer les Mugiwara et écrire la phrase du chapitre 218. Toute chose imaginable par l'homme peut se produire dans la réalité. Une histoire... Les Bragmen. ...si importante qu'elle fut sauvée par les scientifiques d'Ohara il y a 20 ans, sachant qu'il ne s'agissait en rien de fabulation, mais bien de la réalité. Car tout ce qui s'est passé devait se passer. Si il est pour... C'est incroyable. Je vis un moment de fou. Alors là, c'est vraiment, c'est incroyable. Tout ce qui s'est passé devait se passer. C'est vraiment la justification ultime. C'est l'argument imparable. Tu ne peux rien répondre à ça. Tu ne peux rien répondre. C'est incroyable. Tout ce qui s'est passé devait se passer. Oh, merci, hein. Merci, mon corvo. Si il est pour le moment difficile de trouver. Non, il en cale encore un. Et vraiment, s'il en cale encore un, il a peut-être atteint le niveau d'Albert Einstein.
alias pour les autres Mugiwara, l'équipage au chapeau de paille ne réécrirait pas l'histoire. Il la vivrait tout simplement dans un très vertigineux mais magnifique déterminisme, en devenant leur propre légende qui les inspira plus tard, devenant l'équipage pirate le plus important du monde comme de l'histoire. Mm-hmm. Nous savons tous très bien depuis 25 ans que les Mugiwara réaliseront un jour leur rêve, mais là serait le meilleur moyen de le faire avec un twist final, car en devenant Ryuma Shimotsuki, Zoro deviendrait le plus grand sabreur du monde et son nom résonnerait 800 ans plus tard jusqu'aux oreilles de Kuina, car elle-même descendante Shimotsuki. Robin, quand... Reste Chopper et Sanji. Bon, je pense que s'il parle de Sanji, il va te parler de... Non. Oui, je pense qu'il a évité parce qu'il... Je pense qu'il savait pertinemment... Je sais très bien. Quant à elle, aurait bel et bien découvert et surtout partagé la véritable histoire du monde. Et Usopp serait par exemple Parce que le tout ce qui s'est passé devait se passer, en fait, ça a des limites. Tu peux pas... tu peux pas le tourner autant que tu veux. Devenu un brave guerrier des mers, car tous ses mensonges seraient depuis le début la réalité. A l'instar de grands mangaka comme Mashima avec Rave ou encore Isayama avec l'attaque des titans, Eiichiro Oda pourrait donc offrir un twist final à son shonen avec un paradoxe temporel, créant un déterminisme, où tous les événements, et en particulier les actions humaines, sont liés et déterminés par la chaîne des événements antérieurs. Autrement dit, tout ce qui s'est passé devait se passer. Oui. Let's go. Incroyable. Merci beaucoup. Merci. J'ai dit que paradoxe temporel, créant un déterminisme, où tous les événements, et en particulier les actions humaines, sont liés et déterminés par la chaîne des événements antérieurs. Car autrement dit, tout ce qui s'est passé devait se passer. Ah non, c'est trop. Ah non, c'est... Je viens de vivre un moment là. C'est du très très grand... Car la définition même du déterminisme fut déjà incroyable. Prononcée à deux reprises dans le manga. Ah, j'ai plus rien à dire, c'est bon. J'ai vu une dinguerie là, je me tais là. Ainsi, Silver Rayleigh, au chapitre 603, annonçait... En ce monde, oh, putain, j'ai eu peur. Les coïncidences n'existent pas. Tout ce qui s'est passé était inévitable. Le monde, les coïncidences n'existent pas. Tout ce qui s'est passé était inévitable. Il a fait une nouvelle version. Il a fait une version 2. Le monde, les coïncidences n'existent pas. Tout ce qui s'est passé était inévitable. Il est trop fort. Il est beaucoup trop fort. Non, c'est du très très haut niveau. Ah, j'ai jamais vu ça. C'est du très 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 haut niveau. Et le monde prend... On a atteint un niveau là, je sais pas il est où. Là. Lentement, mais inexorablement forme. Enfin, Goldie Roger, avant de mourir, et pour ouvrir la plus grande histoire de incroyable. Tous les temps, nous disait « La passion et les rêves sont comme le temps. Rien ne peut les arrêter. » Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot « liberté ». Ok. Wow. Je viens de vivre un truc de fou. Je suis choqué. Le niveau, il est archi élevé. Wow. Ben merci, hein. Franchement, merci. Merci pour les travaux. Je sais même pas si on pourra revivre un moment comme ça. Je sais pas. En tout cas, bonne vidéo. C'est vrai que j'ai même pas... Oui, bonne vidéo. Bonne vidéo. Vraiment, le tout dernier, je m'y attendais vraiment pas. Mais alors là, d'une force... 時を止まれ!